Comment ça se passe? Tout roule. On devrait arriver dans une heure. Parfait. La défense de Ganesh. Pas étonnant qu'ils aient pillé la capitale Yoysala. Regarde-moi ça. On a une chance? J'ai pas besoin de chance. On va avoir besoin de toute la chance possible. Tu t'inquiètes encore du soi-disant expert d'Assav? T'en fais pas. Si Assav est pas déjà au Ghat, il doit déjà être sur nos talons. Il a des armes, du matériel et des centaines d'hommes. Je te le redis. C'est pas un problème. Tire un genre de clé? Possible. Voyons ça. Alors. Le trident était l'arme de Ganesh. L'arc et la flèche étaient à Parajurama. Et la hache, un cadeau de Shiva. La grande bataille. Quoi ? La grande bataille où Ganesh a perdu sa défense. Je te parie que si on trouve ces symboles, on trouve la défense. Pas mal, Fraser. Ouais, en fait. Faut remercier mon père. Les mythes hindous, c'était sa passion. Il te l'a transmise ? Il doit être fier. Il fait presque jour. Je vais me préparer. Au travail. Une sacrée marche pour une simple vérif. Disons que c'est juste pour me rassurer. Bon. La vue est sympa. Et regarde. Comme c'est bizarre. Pardon d'avoir douté de toi, Chloé. C'est Ossala ? Oysala. Ça date pas d'hier, alors je dirais qu'on est sur la bonne piste. Quoi? J'aime pas ça. C'est parce que t'aimes rien. Non! On a fait presque 100 km et aucun signe d'Assav. Vois le bon côté, on a peut-être fini par le semer. Ça m'étonnerait. Je trouve la défense, tu t'occupes d'Assav. Compris. On se retrouve à la voiture? Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Uncharted The Lost Legacy sur PlayStation 4, exclusivité PS4. Quel magnifique panorama, me direz-vous. Je pense que du coup ça va faire une très belle photo pour mon Instagram. Enfin bref, édité par Sony, développé par Naughty Dog, sorti officiel le 23 août 2017, et Peggy nous le déconseille au moins de 16. Superbe note de 17 sur 20 sur Game Rankings. Nous incarnons dans cet opus qui se tire plus vers le spin-off de la saga Uncharted. Nous incarnons du coup Chloé Fraser, l'un des personnages qui avait accompagné Nathan Drake durant Uncharted 2, toujours aussi jouable parmi les personnages dans les modes online. Parlons du aussi, pendant que j'y pense, mode online ainsi que le mode survie qui revient dans cet opus-là. Ça, franchement, ça fait vraiment plaisir, le fameux mode survie qui a été oublié et pourtant si apprécié dans les anciens Uncharted. Chloé, du coup, part en Inde pour nous offrir donc, du coup, une chasse au trésor. Il va falloir que nous récupérons la défense de Ganesh, la fameuse défense de cette divinité à cet éléphant humanoïde, dont une de ses défenses a été cassée durant un affrontement. Elle sera accompagnée du coup de Nadine Ross, la fameuse femme, vous savez, métisse qui démonte Nathan Drake en 1v1 au point, en fait, durant Uncharted 4. Qu'est-ce qu'on peut noter déjà? Le jeu est magnifique. Hein. C'est vraiment... Après,
En fait, on a toujours envie de, d'en avoir un petit peu plus, quoi. C'est du Uncharted, on voudrait que ça ne s'arrête pas. C'est très similaire au 4. Il y a la Jeep dans un monde pseudo open world. Nous pouvons utiliser du coup le treuil pour nous dégager certains passages. Enfin, donc voilà, ça va rester vraiment très pompé sur le 4. J'ai envie de vous dire, en fait, on prend le tout et on recommence, parce que c'est une bonne recette qui a bien fonctionné. Et je pense que cet opus, si ce n'est basé sur un gros fond de fanservice, c'est vraiment pour faire continuer à vivre cette licence qui est très appréciée des joueurs. En même temps, c'est une valeur sûre, me direz-vous. Naughty Dog fait partie des plus gros développeurs qui soient pour les jeux vidéo. Donc en même temps, c'était déjà pari réussi même avant que le jeu ne sorte. Voilà, divers cadres vous sont offerts à chaque fois que vous parcourez la map. Voilà, un petit envol de flamant rose, voilà, pour vous montrer un petit peu la fluidité de ce jeu. Donc du coup, voilà, à savoir aussi Naughty Dog, comme on dit, Paris réussi, les VF toujours aussi bien choisis. J'entends les puristes déjà gueuler. Vous pouvez bien entendu mettre le jeu en anglais et les sous-titres en français, pas de panique. Mais bon, Naughty Dog nous a pris la peine de nous trier sur le volet des doubleurs d'exception. Il s'agit toujours de Laura Blanc, la doubleuse qui fait la voix donc du coup de Chloé dans Uncharted 2. Elle est toujours présente dans Uncharted The Lost Legacy. Pour vous citer un petit exemple, Laura Blanc, c'est une doubleuse qui pèse un peu dans le game, en fait. C'est entre autres la voix de Lyra Tessoni dans Mass Effect, Nova ou Jaina dans Starcraft, Warcraft ou même Heroes of the Storm, ou même tout simplement l'héroïne principale, si on choisit la fille, dans Fable 3. Voilà, donc quand je vous dis, c'est une sélection pour nous l'amener aux petits oignons et nous faire vraiment kiffer pour de l'immersion. Voilà, une fois de plus, le jeu est très beau et Chloé, toujours aussi ravissante. C'était un petit peu, la Helena Fisher bis, cette aventurière légèrement plus dévergondée, plus sexy que la Helena Fisher qui reste, elle, plutôt mignonne et plutôt timide. Du coup, voilà. Pour vous faire simple, parce que ça a été expliqué de façon un peu grossière dans le jeu, il va falloir ouvrir une porte, et bon, là il va falloir partir avec le fameux treuil, une fois de plus. On vous dit grossièrement que Ganesh a perdu sa défense dans un affrontement. Ce n'est pas... c'est vrai, mais bon, dans le jeu on vous parle de guerre, bout du con. Ok, phase de gameplay. Donc, je vous explique juste après, une fois que j'aurai buté tout ce monde. Ok, c'est bien ce que je pensais. Donc, c'est ma première phase de gameplay contre des ennemis. Je n'ai pas enlevé l'autolock, donc ce qui fait que le jeu est 10 fois plus simple. J'aurais dû peut-être l'enlever avant. Bordel. Bon, tant pis, au moins ça vous permet de voir au moins le... je vais pas partir dans les options, changer tout ça, etc. J'ai du mal encore avec ce jeu, putain, je suis encore habitué à tous les jeux où est-ce qu'on fait carré pour reloader, alors que carré dans les Uncharted, c'est des coups de corps à corps, c'est triangle pour reloader, je vous le rappelle. Donc du coup, pourquoi je sors ? Voilà, la porte me fait un espèce de petit ponton pour accéder à ce tunnel-là, cette grotte. Donc voilà, on vous dit que Ganesh a perdu sa défense pendant une bataille. Enfin, oui, c'est en fait une sorte d'affrontement, d'après ce que je sais. C'est bon, on est parti sur un gros trip de mythologie maya aztèque. Donc du coup, on va vous parler de Krishna, de Shiva, de Ganesh, encore une fois. Donc du coup, pour vous faire plus simple, pour étendre un petit peu votre culture mythologique, il faut savoir qu'en fait, Ganesh était le défenseur. Putain, je n'arrive pas à monter. Putain, il y a encore ces gros trucs de boue. Allez, bordel. J'essaie de prendre la pente là, parce que comme c'est pas boueux au milieu, je vais prendre un peu d'élan. Donc du coup, voilà, c'était le défenseur d'une porte en fait. Derrière cette porte se trouvait son père, Shiva. Et en fait, Krishna voulait remettre une hache sacrée à Shiva, en fait. Et Ganesh, lui, gardant la porte, Krishna est rentré dans une colère folle, très furieux de ne pas pouvoir rentrer, vu que Ganesh surveillait cette porte où se trouvait donc du coup Shiva, accompagné de son épouse Parvati. Et furieux, il jette du coup cette hache dans la tronche de Ganesh, ce qui lui pètera l'une de ses défenses.
Voilà, donc en gros, c'est grosso merdo, c'est vraiment ça en fait, l'histoire qui s'est passée. Ça, on, bon, ils auraient pu peut-être mieux vous l'expliquer dans le jeu, mais en même temps, on perd tellement de temps. Bon, bon là, après, il y a toute la cargaison du méchant. Bien sûr, ça reste du Uncharted, le méchant vous est présenté dès le début. Du coup, le méchant s'appelle Asav. Il contrôle plusieurs mercenaires. Un petit peu, en fait, c'est un petit peu le rôle de Nadine Ross qu'on avait vu dans le 4, en fait. Voilà, plusieurs sbires qui l'écoutent, des pseudo-chasseurs de trésors. Comment les attaquer? Bon, ben, on va pas faire dans la dentelle. Hop. J'espère que je vais avoir les deux. Voilà. Non, non, mais voilà, comme ça, au plus grand des calmes, vous pouvez choisir la discrétion, comme vous pouvez choisir, bien sûr, la... Eh ben, un bon petit coup dans le tas, quoi, en fait, hein, voilà. Bon, alors, allez, on va se friter un peu. Après, si je me fais viser par les snipers... Ah, putain, la visée automatique, putain, je l'avais complètement zappé, oui, elle est restée. Faut que je m'y fasse. J'essaie de bouger le joystick droit, et ça n'y fait rien, vu que j'ai un autolock, en fait. Par où on me tire dessus, quoi, bordel. Non, après, c'est 10 fois plus simple, quoi. Du coup, il n'y a pas du tout de difficulté propre, là. Ce qui est bien dommage. Après, voilà, si vous trouvez, par exemple, ces histoires mythologiques intéressantes, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous en apprendre un petit peu plus sur Ganesh? Vous savez que Ganesh, donc, c'est un éléphant qui est un peu représenté de façon un peu obèse, un peu gros, style à la Bouddha, en fait. Pour vous expliquer cette histoire, l'anecdote mythologique, c'est en gros... Pour un de ses anniversaires, Parvati, la femme de Shiva, donc du coup la mère de Ganesh, cuisina 21 sortes de gâteaux pour son fils, et Ganesh les mangea tous, jusqu'à que son ventre soit plein. Ganesh est souvent représenté sur une monture qui est en fait une souris. Et quand il était sur cette monture, cette souris a pris peur en croisant en fait un serpent. Ganesh tomba de la monture, tomba à la renverse, et son ventre éclata. Et après avoir remis partiellement tous les gâteaux dans son estomac, en fait, ouais, c'est assez dégueulasse, c'est chelou, hein, bienvenue dans la mythologie aztèque. Du coup, après, il attrapa le reptile, en fait, qui avait fait peur à sa monture, et il l'attacha autour de son ventre pour s'en faire une ceinture et garder son ventre fermé. Voilà, bienvenue dans la mythologie maya. Qu'est-ce qu'on s'amuse là-bas, il y a des histoires super folles. Non mais bon, après voilà, ça me fait plaisir aussi de vous conter ces histoires-là, si vous ne le saviez pas, c'est cadeau. Bon, donc du coup, après avoir parlé du background que l'on découvre tous ensemble en même temps, une fois de plus, voilà, le gameplay est présent, le jeu est beau, mine de rien, franchement, hein, c'est... Et puis incarner pour la première fois vraiment en tant que protagoniste principal du jeu... Chloé Fraser, c'est génial. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que dans le monde online, quand je sélectionne les gentils, je dirige toujours Chloé, qui a été un personnage qui m'a beaucoup plu dans Uncharted 2, qui, selon moi, est le meilleur des Uncharted, que ce soit sur le mode multi ou le mode solo. Franchement, le 2 était vraiment une perle. Chapitre 4, du coup. Bon, donc du coup, il va falloir aller à ce tour. Je vais avoir pas mal de trajets à faire. On est juste là. Je vais le marquer au fur et à mesure. Bon, mais du coup, elle va tout marquer sur la carte au fur et à mesure, quoi. D'accord. Bon, le temps que j'y aille, vous savez quoi? Comme on a vu pas mal déjà de séances Jeep, une fois que je suis devant la tour, je scinde la vidéo. Là, je vous retrouve de suite. On va se retrouver devant la tour en train de l'escalader. Comme ça, on va voir ce qui nous attend là-bas. Je vous dis à de suite. Bon. Voilà, enfin arrivé. Non, après, j'essaie vraiment de faire un petit peu plus de condensé pour éviter de faire des vidéos trop longues, pour essayer de vous maintenir en haleine. Merde, par où il faut monter? Donc voilà, donc cette tour est mon objectif principal. Je ne sais pas ce qui m'attend en haut. Donc, ça reste du Uncharted. Il va y avoir donc du coup de l'escalade, des phases de gunfight. Mais je n'ai pas encore vu... Ah, le grappin. Bordel. Je suis un abruti. À confondre L1 et R1, quoi, j'en jette des grenades. Je n'ai pas encore vu d'énigmes. Des énigmes qui sont normalement un point phare de Uncharted, qui lui louent tant d'éloges à son sujet. Il va bien là-haut ? Pour l'instant, ça va. Allez, essaie de grimper. Non, tu n'y arrives pas. Allez. Bon, ok. Faut tourner. Alors. Bon, me tarde de voir ce qu'il y a en haut. Non, après voilà, c'est des petites phases. Bon, après on se retrouve dans du Assassin's Creed-like aussi. Il faut chercher un petit peu par où grimper, etc.
On va bien trouver de toute façon. Allez. Non, pas en haut, ici? Ok. Enfin, j'espère que c'est le bon endroit. Hop. Oh non, non! Oh merde! Oh la bruti! Putain, j'ai lâché trop tôt, trop tard, je ne sais pas. Oh, ça va, putain. Oh, putain, je pensais qu'on allait réapparaître en bas, genre que ça allait être beaucoup plus punitif. Oh non, ok, on réapparaît quoi, 10 secondes avant d'être mort, quoi. Bon, bah tant mieux. Faisons comme si rien ne s'était passé. Vous allez bien? Moi aussi? Tant mieux. Du coup, Non, mais en fait, non, c'est vraiment pas là, hein. Bon, mais... Alors, j'ai mal calculé mon saut. On va attendre que sa main se... Voilà, hop. Voilà, dès qu'elle a la main levée, c'est l'indicateur de, en gros, je peux prendre... Enfin, je vais avoir un endroit où m'agripper. Ben, ça y est, je crois que j'ai trouvé la porte. Porte par laquelle il va falloir passer au-dessus. Et bon, et ben voilà toutes les portes. Ça a été plus rapide que ce que je pensais. Voyons un peu ça. Diriger droit vers ces ruines à Isala. C'est une vieille forteresse. Bon, d'accord, et c'est là qu'il va falloir aller. Et elle le note sur la carte. Ok. L'indiquer sur la carte. Bon, ben c'est très bien. Au moins, on a. Je note pour plus tard. On fait du crossing map, du coup. On va pouvoir faire du coup du. On met plusieurs targets sur la carte. On sait où est-ce qu'il va falloir aller. Voyons ce que cache la porte de là. Bon, d'accord, et je pense que c'est ça qui va m'occuper pendant pas mal d'heures. Il va falloir que je me rende à chacun de ces tombeaux, ruines, enfin je ne sais pas quel nom ça porte. Ouais, c'est en train de se marquer, ouais. Bon, très bien. Ok. Bon, d'accord, très bien. Bon, ben alors, je vais du coup me rendre directement dans une de ces ruines. Comme ça, ben, j'espère qu'on va avoir un petit moment, du coup, indice, énigme à résoudre ensemble. Bon, mais du coup, rendez-vous dans une de ces ruines. À de suite. Alors, j'ai fait déjà une première ruine. Il n'y a eu que des mecs à buter. Et là, je viens de passer déjà une première salle où est-ce qu'il y a en fait des statues. En fonction de là où vous marchez, vous activez à chaque fois un mouvement de leur mécanisme, en fait. Donc du coup, il faut calculer où est-ce qu'il faut sauter pour ne pas se prendre les haches dans leur gueule. Donc là, voilà, lui il est en train d'armer. Et je crois que j'ai fait une connerie. Non, c'est bon. Voilà, après il faut étudier leur axe d'attaque. Hein, enfin, voilà, vous allez comprendre de toute façon si vous n'avez pas compris. Bon, lui, voilà, il balaye latéralement. Je pense que là, voilà. Donc ça, il s'agissait de la deuxième salle. Je me demandais si c'était une première, mais apparemment, comme il y en a une deuxième... Et il y en a même une troisième. Ouf, 5 statues, 6. Il y en a 6, ouais. D'accord. Bon, mais au moins, voilà. Ça me permet de vous montrer du coup le genre d'énigme que vous allez avoir. Donc, bon, après, dans Uncharted, on a été habitué un petit peu à tout. Hein. Des ombres, des statues à remettre en place dans le bon ordre, etc. Et là, c'est vachement nouveau, ça. C'est assez sympa. Donc, bon, lui, il va pas attaquer à droite. Hop. Là, il est en train d'armer, je pense que voilà. Parfait. Hop. Hop. Là, il va attaquer vers là-bas. Hop. Voilà, il a balayé. Hop. Hop. Tac. Oh merde! Putain, comment je suis pas mort? Bon, d'accord, ok. Donc il balaye. Merde. Ah, c'est pas cool ça. Alors on va refaire comme si rien n'était. Non, franchement, c'est super intéressant ce genre d'énigme. Franchement, ça change. J'ai pas vu ce genre d'énigme moi dans le Uncharted 1, 2, 3 ou 4. Même dans le Golden Abyss sur PS Vita, j'avais pas vu un truc de ce genre. Ok, c'est quoi la suite? Hop. Je suis en train de m'embrouiller. Non, putain, ah, je pensais que j'avais encore une stèle de marge. Je crois que t'as raison. Mince. Bon, bon, bon. Ah, c'est à la fois frustrant et super intéressant. Ah, j'ai la niaque d'y arriver, là. Hop. Hop. Non, parce que c'est vrai que lui, ce mec-là, en fait, il arme juste après avoir tapé, là.
Hop. Non, là, il va balayer. Tac. Là. Là, il va pas me taper. Il va armer. Voilà. Et lui... Ah, lui, il va me démonter. Non. Attendez. Non, c'est bon. Putain, c'est vrai que voilà, il arme sur l'une, mais il attaque à l'autre. Hein. D'accord, ok. Bon, ben là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Tac. Lui, il va attaquer... Ouh, ils attaquent comment, eux? Hop. Ok. Là, je pense que j'ai le temps de... Ouais, je pense que j'ai le temps, c'est bon. Ouais, ouais, il se remet. Le prochain, la prochaine, il arme. Et il tape qu'à la prochaine. Donc, c'est bon. Ouh, et ben voilà. Donc, voilà, vous avez un exemple des énigmes que propose Uncharted. Ça fait vachement plaisir. Voilà, comme ça, je peux vous montrer un petit peu de tout. Vous avez vu de la cinématique, un peu de gameplay gunfight, une énigme. Voilà. C'est vraiment sympa. Ah, ben, tenez, encore une petite dernière énigme. Oui, voilà, il faut remettre dans le bon sens certains objets. Donc, ça, c'est assez cool. Et voilà, après, je pense que je vais m'arrêter là-dessus une fois que j'aurai trouvé pour le mode solo. Et je vais m'attaquer au mode online, du coup, pour vous montrer un peu. Le mode online n'a pas trop changé, hein. On reprend vraiment exactement comme le 4. Mais comme le mode survie est de retour, bah, je pense qu'on va se baser là-dessus pour vous montrer un petit peu bah, du mode survie, quoi, pour ceux qui n'ont pas connu ça. Mais là, je suis dans le bon sens, là, qu'est-ce que tu me fais chier? Non, 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 elle était comme ça, hein. Ah. Ok, donc là, ça déplace complètement. C'est quoi cet arc de cercle, là? Hop, ok. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je me disais, la pointe ne bouge pas, en fait. Il faut, voilà, c'était pas le bas, c'était le dessus. Bon, et ben voilà, on a trouvé. Ce qui fait que, du coup, je viens de terminer ma deuxième... Il va falloir tourner, du coup, ce levier et faire tomber l'eau, en fait. Il y a de l'eau qui jaillit d'une porte où est-ce qu'il va falloir que j'accède une fois que j'aurai fait toutes ces rues. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là, du coup, pour le mode solo, en espérant du coup que le peu de solo que vous avez vu vous aura plu et vous aura tenté de faire The Lost Legacy. Je vous retrouve du coup de suite dans le mode online avec le fameux comeback du mode survie. On se retrouve du coup dans le mode survie. Donc là voilà, j'incarne l'un des personnages... Bon là après ça me dégoûte un peu que j'ai perdu tout mon matos d'Uncharted 4 parce que c'était l'un des personnages chez les méchants qu'on pouvait transformer un peu comme le terroriste de Counter-Strike, vous savez, avec l'espèce de parka blanche et la... Bref, le arctique terroriste quoi, avec sa cagoule. Et là j'ai tout perdu, c'est bien dommage. Donc autant j'ai juste vu que notre paquetage pouvait être importé. J'avais le même que dans le 4, aux atouts près. Par contre, les habits, le level... Non, j'ai rien à retrouver. Le mode survie, qu'est-ce que c'est? Donc 10 défis, en fait, voilà, en fait, qui s'appellent des vagues. Donc vague 1, je dois buter toutes les personnes, j'ai 12 KO à faire. Vous allez me dire, pour l'instant, il n'y a rien de plus simple. Donc là, voilà, il suffit juste de les trouver. Vous avez une barre de PV au-dessus des adversaires, c'est sympathique. Contrairement aux anciens modes en ligne, on pouvait pas voir la vie en fait, hein, on devait tirer sur le mec et une fois qu'il était en barreau d'honneur, on pouvait l'exécuter pendant qu'il était au sol. Là, le mode survie, vous avez carrément une life bar au-dessus des CPU que vous devez affronter. Toujours, bon, bah de la cascade. L'arsenal, ouais non, bon, ça sert à rien, de toute façon je vais pas changer d'arme maintenant, surtout pas au début, il me reste 6 KO à faire. Du coup voilà, bon après je ne vais pas faire les... Bordel, crève. Je ne vais pas faire les 10 vagues, parce que ce serait vraiment trop long là par contre. Je pense que je m'arrêterai en cours en fonction du défi que j'ai à faire. S'il y en a un qui est trop long à faire, je m'arrêterai à ce moment-là. C'est un petit peu pour vous montrer, j'espère qu'un défi trop long ne sera pas demandé dès la vague 2. Donc voilà, c'est toute une suite de défis à faire et c'est franchement c'est assez sympa. Si vous préférez plutôt les jeux multijoueurs mais plutôt qui va inspirer, s'orienter dans la coopération plutôt que le versus fighting en PVP, genre plutôt joueur contre ordinateur, bah, clairement le mode survie est fait pour vous. Donc première vague terminée, passons au défi numéro 2, homme marqué. Bon d'accord, je vais avoir donc du coup des targets locked au-dessus de la tête de certains ennemis. Il faut que j'en bute 6, sans compter d'autres ordinateurs qui vont vouloir me péter la gueule. Qui eux ne sont pas marqués, c'est Q, putain de FD. Voilà, donc ma première victime. Ok. Bon. Hop.
Après, ils peuvent laisser des armes plus ou moins rares. Vous voyez, après, enfin, le fond vert par terre, c'est des munitions. Les armes bleues, bon, ben voilà, des armes qui ne sont pas enfin, communes que vous pouvez utiliser. T'as l'ordinateur qui est avec moi, il fait un peu le café là quand même. Hein. Il clean les types, c'est abusé. Pas non plus que je me fasse buter quand même. Après le mode online, je vous ai dit, c'est vraiment, il est pompé sur Uncharted 4, c'est le même, mais vraiment le même. Hein. Les maps sont les mêmes, le pactage c'est le même, les personnages, enfin, voilà. Enfin si, seuls des skins, des nouveaux skins ont été rajoutés aussi. Après voilà, c'était surtout je pense pour intégrer le mode survie en fait. Je pense que c'est pour ça, pour lui donner quand même un petit côté ben, unique que n'auraient pas les précédents Uncharted. Et puis après, bon, bien sûr, pour les fans, continuer à faire le solo et en savoir plus sur cette saga, quoi. Et puis merde, attendez, Chloé Fraser, quoi, merde, c'est pas rien. Bon, le score, enfin, l'XP se récupère sous forme de petites orbes bleues qui se font aspirer par votre personnage, du coup, dans le dans le mode survie, quoi. Non, c'est vraiment ça que je trouve sympa, en fait, dans The Lost Legacy, quoi. On dirige l'un des protagonistes qui est accompagné d'un des anciens antagonistes de Uncharted, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. Tu vas crever, oui. Voyage. Et dégage. Voilà. Il m'en reste deux. Toi, voilà. Il est où, ton dernier collègue? Et on va voir pour la vague 3. Qu'est-ce que nous avons à faire? Non, franchement, c'est vraiment sympa. Je vous rappelle, date de sortie officielle, le 23 août 2017. Bah, foncez vous le procurer, hein, si vous aimez Naughty Dog, si vous aimez Uncharted. Il n'y a pas de raison de s'en priver, quoi, tout simplement. Dirigeons-nous vers la dernière cible et terminons-la sous peu. Et voilà. Une fois que c'est fini, tous les ennemis disparaissent dans un pseudo écran de fumée, comme vous avez pu le voir. Vague 2 terminée, quelle est la troisième vague? Qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, si c'est quelque chose de long, ça m'arrange un peu, comme ça je vais pouvoir terminer sur la vague 3. Au moins, je vais pouvoir vous montrer du coup 3 styles d'objectifs différents, même s'il y en a plus. Alors. Chasse au trésor. Oh putain, et en plus c'est dur ça, parce que vous êtes chronométré pour récupérer tout ce qui brille sur la map. Vous voyez, voilà, je dois tout récupérer sans compter qu'on vous tire dessus, bien sûr. Sans aucune pitié, hein. Les mecs, ils s'en foutent, hein. Ils sont là pour vous buter même si vous récupérez des trésors. Donc voilà, vous voyez que je suis timé, il me reste à l'instant où je vous parle 3 minutes 35 pour récupérer tout ce qu'il y a. Donc c'est un petit peu compliqué seul, mieux vaut être plusieurs pour le faire parce que l'ordinateur, lui, ne vous aide pas des masses. Et les ennemis commencent aussi à me faire chier. Bon, du coup, je pense que je vais m'arrêter là parce que voilà, ça va être long quand même. Il me faudra plus que ces 3 minutes 15 restantes. Du coup, voilà. J'espère du coup que ce test de Uncharted The Lost Legacy vous aura plu. Sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. D'ici là, portez-vous bien tout le monde et à ciao. Et bien alors, qu'est-ce que vous faites encore là? Vous reconnaissez ce jeu, hein? Jack and Dexter de Precursor Legacy, sorti en 2001 sur PlayStation 2. Ouais, vous rêvez pas, sur PS4. Foncez vite acheter Uncharted The Lost Legacy, il est filé en démat. À ciao!